Bonsoir La Réunion, comment il est? Bonsoir tout le monde, hein? L'Angleterre, l'Amérique, les États-Unis, le Dakar, le Maurice, mais aussi mon petit peuple La Réunion. Alors, oublie pas, aujourd'hui c'est la semaine spéciale race coq et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir un jeune, mais il est beau. Il est beau, il s'appelle Romain. Oh, bonsoir Romain. Bonsoir Tessa. Ça va? Ça va et toi? Est-ce que Miri risque à gagner un coup de balle comme il sort celle-là? Ah, ça m'occupe pas vraiment. Ah d'accord, excusez-moi madame, pas fait exprès. Hein. Romain, il fait longtemps qu'on fait de la musique en tout cas. Fait longtemps, bah, il fait, on compte avec mes doigts, mais il est pas, 4 ans. 4 ans ouais. Déjà, parce que quand on l'a vu la première fois, on était quand même assez jeune oui. Sur le premier clip, avec quel âge là? Avec 15 ans. 15 ans? Oui. Ah ouais. On avait fait la musique avant aussi. Et c'est quoi l'histoire de carrière? On tombe dans la musique, papa l'aîné dedans? Non, non, du tout. En fin de compte, il voyait une émission à la télé, Run Star. D'accord. Et du coup, il m'a dit, bah, pourquoi ça peut m'inscrire moi? Tu veux faire la star. Et maman, papa, tu voulais pas. D'accord. Pas du tout. Ah, elle a pas du tout soutenu au départ. Non, du tout. Et du coup, on l'a inscrit à moi tout seul. Dans autre dos. D'accord. Et quand t'es fini d'inscrire, là, t'es obligé d'emmener la main. Pas mal comme technique. Et tiens, je t'ai dit de faire ça. Donc, ensuite, comment ça va se passer après? Ben finalement, au fur et à mesure que l'émission t'avance, ben. Vous êtes voir. T'étouanes bien. Il m'a fini deuxième à la fin. Ah ouais. Randstar. 2014. Le truc, l'émission qui fait à La Réunion. Voilà, là. Oui. C'est quelle année ça, 2014? En 2014. Ouais. Ouais, ah ouais, peut-être. Ouais, m'a pas mal suivi, mais après, on donné des. J'ai zappé. Voilà. Et du coup, Lol avait quel âge? À 15 ans quand même déjà? Quand on faisait Randstar, on était dans mon année de 14 ans, ben, m'avait 13 ans. D'accord. 13 ans. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Bah. Les cours là-bas avec Banna, comment? Ah, t'es super, on avait un bon l'équipe. C'était qui ou te manager ou te prof alors? Celle qui donnait les cours, c'était Laurence Bonmarché et Clarisse Teixeira. Ah bah ouais, elle avait de bons quand même là. Ouais. Et du coup, elle a continué à faire de la musique. Elle a continué à faire la musique de mon côté, mais il pensait qu'elle aurait eu un soutien, mais elle n'a pas eu du tout. Ouais. D'accord, ok. Ah ouais, et la famille finalement? Voilà, c'est la famille qui l'a aidée. Au début, m'a fait 2 ans avec la famille. D'accord. Et après, on a eu un petit coup de fil de David, le manager, mm-hmm. qui a bien voulu me prendre sous les ailes, en fin de compte. Ce fameux David, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Je te jure, hein, il faut absolument qu'il vienne sur le plateau. Hein. Bah oui, il faudrait. Non, ma fille dit, Aniela, maintenant c'est toi, allez, viens sur le plateau. Ma fille dit, il veut pas. Pourtant, on avait un grand pied d'Aniela, t'as l'air, il voulait l'autre fois, il voulait pas venir. Hein. David, un peu chocolat. Ben là, il faut dire, David, si on entend un nounard chocolat, ben. Que pas, moi, si ben, demain, on veut venir, Un petit peu d'humour sur le plateau de Télécréa, là. Donc, faut mettre un petit peu à l'aise Romain. Romain qui stresse un petit peu, mais bon, ça va aller un en tout cas. Bon, le premier clip que l'a fait, c'est Si ou Yem. Si ou Yem, oui. Alors, c'est une chanson que tu as écrite, que tu as composée, quelqu'un t'a donné. Comment ça s'est passé? Que j'ai écrit avec Biosiric. D'accord. Ah et ouais. Qui a été composé aussi par Biosiric. Ouais. D'accord. Et du coup, le clip, comment ça s'est passé? Super, LMPX a fait un bon travail et jusqu'à l'heure, il remet ses pour les travaux qu'il a fait pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle encore, c'était un des premiers clips que j'ai vu avec le plus jeune de tous les artistes que je connaissais. À part Tibat, bien sûr, hein, il y a eu Romain. Ben, c'est pour ça, avec plaisir, on va se remémoriser un petit peu là. Regarde un petit peu, le petit bout de chou qui va chanter là. C'est parti avec Romain, son titre Si ou Yem. Yeah.
clip qu'il a réalisé pour que la réunion entière, puisse le reconnaître. Dis donc, t'as fait du chemin entre le premier clip et le clip de le dernier clip là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est le coup de fil de David qui t'a fait comme ça? Ah ben bah, elle, bah, elle a donné un coup de main, je pense, mais je pense. Si tout le monde est en évolution comme moi là, faudrait bosser un petit coup avec lui aussi. Hein. Oui. Comment ça se passe l'intégration au niveau du groupe? Non, mais ça va, ben, mettez le deuxième à rentrer dans le groupe. D'accord. Donc, ben, Daira l'a bien aidé. Et ben, comme tout le monde l'a dit, c'est pas un groupe, en fin de compte, c'est une famille, et il aide à nous à progresser, à D'accord. évoluer la musique. Tu dis que tu es le deuxième, donc le premier c'était Daira, voilà. Toi le deuxième, après il y a eu qui d'autre encore qui est arrivé? Médéris, après. Agnella et Emeline. Emeline, il y a aussi. Azana Tani Maloya, voilà. Et Sandra. Sandra, qu'on va bientôt découvrir, j'espère les recevoir un jour sur le plateau. En tout cas, vous êtes les bienvenus, les artistes. Si vous êtes artiste, vous avez un clip ou pas juste de clip, allez-y, envoyez-moi un petit message en privé sur la page Musique Créole. Donc voilà, c'est bien expliqué. Hein. Donc, je reviens avec Romain qui doit sûrement dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là qui est en train de se muter là? Non, je ne mute pas, t'inquiète pas. Bon, le dernier morceau que tu as chanté là, L'amour. Tu as fait avec Fano Design. Oui. Coucou Fano. Coucou Fano. Merci, big up Fano. Il sait pourquoi je dis ça. c'est qui a écrit? C'est toi-même? Alors, c'est pas moi qui ai écrit la chanson, c'est Jérémy Waro. Ah, tiens! Ça fait longtemps, voilà. Ça. Oui. Jérémy. Coucou Jérémy. La peine des CAF d'ailleurs. Oui, la peine des CAF. Il est loin, lui. Hein. Ah oui. Bah, il m'avait dit. Il m'avait dit que. Ah, je suis au plein des CAF. Waouh. Wow. Pourquoi t'es aussi blanc comme ça? La question que je pose. Non, non, dis pas ça de mon tabac. Dis pas ça. Donc c'est Jérémy qui a écrit le morceau pour toi. Voilà, c'est Jérémy. Et la composition. Et la composition, c'est 100% en créole. D'accord. Avec Laurent Robert. Et David, il a participé aussi un petit peu. Bah, David, en fin de compte, bah, lui est là pour aider à nous à trouver les scènes, à trouver les studios. N'a pas que lui, il y a Christophe aussi. Christophe, il reste plus à l'ombre que David, mais lui fait aussi un énorme travail. Soudainement, Christophe, il reste plus à l'ombre que David. Ben, David, tout ça lui fait, il est dans le noir, quoi. On voit jamais. Tout le monde parle de David. J'espère un jour le recevoir. Mais il relance mon invitation à monsieur David. Il va sûrement être devant l'écran en train de regarder son artiste Romain, qui est géré par Raskok. Donc voilà. Talon m'a demandé comment on fait tout ça là. On va partir avec le clip, hein, L'amour. L'amour, oui. L'amour qui est magnifique. Un super clip réalisé par Fano Design. Big up Fano, c'est parti pour le clip L'amour chanté par Romain. Imagine à nous tous les deux, comment nous serions heureux, oh l'amour, mon amour. T'imaginer, où t'es où en l'air.
passé malgré où t'es engagé. C'est où mon plus grand regret. L'a fallu à moins le temps pour moi comprendre que mon amour pour elle était impossible. Même si m'y voudrait pourtant comprendre. On connaît bien souvent, c'est le cœur qui décide. Le titre « L'amour » chanté par Romain, bien sûr, auteur Jérémy Waro, à qui je fais un petit coucou, et compositeur, tu m'as dit 100% créole. Créole, d'accord. Ça, c'est un groupe que je ne connais pas, que j'espère un jour recevoir aussi. Ah voilà, ben, l'invitation est lancée, Laurent, si tu regardes, ben, t'es ça y est, t'en as au grand bras ouvert. Ah oui, Romain, c'est quoi la suite pour toi, là? Alors la suite, ben, déjà, on a le bac pour passer. Maman, finalement, le bac, si on n'a pas le bac, rentre pile la case. Donc, on a le bac pour gagner avant. Et après, ben, nous, là, on projet de travailler ben, avec le groupe et faire un bon petit affaire. Un bon petit affaire. Voilà. Nous, est-ce qu'on peut parler de compilation? Non, pas de compilation. D'album, non plus. Non. Ouais, je ne veux pas dire moi, alors. Non, c'est pas que je veux pas dire, c'est qu'on n'a point d'album et de compilation. Ouais, mais où ça fait un bon petit affaire, c'est quoi? Un petit morceau avant la fin d'année va sortir. Un featuring. Un featuring avec tout le monde dedans. Ben, je sais pas, tu vas voir. Non, faut dire moi tout de suite. T'as le Madiao. Le pauvre, il est traumatisé. Bon, Romain, t'as déjà fait des scènes. Oui, quand même. C'est quoi ton pire souvenir sur ce musical? Mon pire souvenir, mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph Sainte-Barbe. Alors. Marie quoi? Marie-Joseph Sainte-Barbe, ça c'est papa, il témoigne tout le temps ça. Donc. Alors, bah, c'était en 2015. C'était la fête Choka, l'entre-deux. L'entre-deux, c'est Vaquois. Non, la Vaquois, c'est Saint-Philippe. Choka, c'est l'entre-deux. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle était en direct sur la radio et tout. Et moi, ma voix est en train de muer. Ah! Et ma chante avec l'instrumental. Donc, si ou yem, la chanson, il monte dans les aigus, là. Ça m'y est plus fait du tout. Hein. Donc, bah, m'était chante, mais m'a rendu à ma compte que m'était chante faux. Aigu et faux. Ah, je sais pas, tu fais un morceau qui est encore tisane, tu m'as mal. Le délai dans le néant, comme on dit créole. Hein, aujourd'hui, pour les chansons, tu aimes, là, les gangs, pis. Bon, mais on est quand même un conseil que me peut donner, que me peut permettre à moi de donner. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, David, maintenant, il faut refaire la chanson avec ma tonalité. Et tu vas voir, ça va mieux passer encore. Donc, David, le message est passé. Donc, j'espère que dans une semaine ou dans deux semaines, bah, nous va refaire le morceau. En tout cas, si vous rechantez à lier avec haute tonalité, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Ça ira mieux. Ben, merci. Et n'aura plus le petit garçon. Oh là là, tu sais, t'inquiète pas. De toute façon, les hommes passent tous par là. Hein, voilà, donc, voilà, ouais. Moi, je suis pas un homme, je suis une femme. Donc voilà. Donc, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ne te traumatise pas. T'inquiète pas, ça va aller. Et ton meilleur souvenir? Alors, meilleur souvenir, c'est l'année dernière, les 20 ans de carrière de Sergio sur le front de mer de Saint-Pierre. Yes. C'est blindé de monde. Non, tu m'étonnes. J'étais là, moi, je me faisais pitiner le pied en plus. Et ben, franchement, le public était tellement adorable et chaud. Ben, là, nous l'envie. Moi, t'es sur scène, moi, t'es à côté de Daira. Je me dis, Daira, j'ai envie de passer, j'ai envie de pisser mon linge, j'ai envie de pisser mon linge. Et du coup, ben. Tu passes ça comme ça? Ah, ben, pas grave, excusez-moi, maman, Mike. Et du coup, Daira dit, non, on va bien se passer et tout. Dès que moi, monte sur scène, ben, le public, là, tellement. L'ambiance était au top, avec un bon DJ à Katoto. Et il était un bon animateur aussi, il a bien animé les affaires. Et du coup, ben, je remercie ben, l'organisation, David. Et d'avoir invité à moi pour le studio. Et en gros, on l'a défoulé. Et ça, c'est un très, très bon truc. Hein. Il faut retenir le public, les fans qui nous regardent. C'est grâce à vous que nous, artistes, nous les là. Plus ils battent la main, plus ils chantent avec nous, plus ils soutiennent nous. Et c'est une force incroyable pour nous. Donc, on vous remercie. Moi, je me permets de remercier au nom de tous les artistes de l'île de la Réunion. Merci à Zod de mettre à nous en l'air, en tout cas. Simpa là-haut, mon gâté.
Mon gâté. Pas ça d'Aniela. Non, pas ça d'Aniela. Oui, non. Aniela. Aniela, bisous. Aniela, va te tête. Tu n'es pas rien qu'à même. C'est pas le mon gâté. Alors, mon gâté, en fin de compte, c'était un cadeau pour ma cousine que l'a mariée en 2016. Yes. Alors, parce que bah, toute la famille était avec moi et c'était un cadeau pour remercier les. Ben, il peut dire le prénom. Oui. Damien et Laurie. Mais en fin de compte, pour remercier toute la famille Payette avec Claudine, tout ça. Tout ça qu'on a fait pour moi, parce qu'on était danseuse avant. D'accord. Et du coup, quand on l'a dit, moi, il s'est marié, ben, la trotte dans ma tête, me dit, non, il faut faire un morceau, il faut faire un morceau. Et du coup, avec un camarade de Thierry Rivière, ben, nous l'a parti écrire un morceau, ben, mon gâté. Et du ben, coup, c'est un très beau voilà. cadeau, en tout cas. C'est eux qu'on voit dans le clip, là Laurie et Damien, oui, c'est eux. En robe de mariée, voilà. Et en costume. Oui, oui. Et ben, vous savez quoi, on va le mater bien, ce petit clip-là. C'est parti, avec mon gâté. Chanté par Romain cette fois-ci. Eh ben oui, lui aussi, il a un titre qui s'appelle Mon Gâté. C'est un très beau clip qui a été réalisé par LMPX. Et aujourd'hui, on travaille avec Fano. Voilà, on travaille avec Fano. On a pas une jaloux
Non, mais il y a un petit partenariat avec Rascal Records, du coup c'est pour ça que... Tu sais, ça c'est belle ça, quand il y a des partenariats comme ça et tout, mané, mais longe, là, voilà. Ça fait des tosses. T'es... Mais finalement, tu es bien entouré, tu as David, tu es dans la belle Rascal, oui. T'as été entouré, t'as fait une des plus grosses scènes à La Réunion, parce que je peux le dire, oui, effectivement, les 20 ans de Sergio a été l'un des plus gros événements à La Réunion. Effectivement, il a fait fureur, ah, oui. Ce mec-là, il a fait fureur. Matiro, t'es, ça m'était une petit ro. S'il a besoin de vous pour les prestations privées, comment ça se passe? Alors, ben, il faut appeler David au 06 92 40 20 72. Il a bien appris sur le son. Oui. Alors, répète-en un petit coup. 06 92 40 20 72. D'accord. Et hier, il y a lundi, mais au bout de mon année, là, avec Emeline, c'est ce que vous avez des petites pages bleues et tout ça? On a des petites pages bleues? Oui, ben, sur la page bleue, vous pouvez contacter moi sur Romain Officiel ou sinon sur le Facebook de Rascal Records. D'accord. Bon, ben, je pense que si on a besoin des Facebook des autres artistes, on peut aller sur le. Sur Facebook. La mienne et Nora, de toute façon. D'accord, ok. Bon, ben voilà, ben, tu passes par le bidou Romain et puis on va gagner tout un tas de Facebook, bon, hein, voilà. N'inquiète pas. Donc, c'est parti avec notre proverbe de ce mercredi, et m'en a choisi il donne un pied, il prend un carreau. Ça part qu'on l'est vrai, ça. Ah oui. Et on va partir avec la nouveauté de Mrs. Miado. Cette nouveauté-là, en mode manga, c'est toi. C'est toi ma woman, t'es top, t'es la femme qui mérite le.
ses amours. Pas de soucis, faisons tout pour qu'on réussisse. Le dernier titre en date hein, de Missis, c'est toi qui annonce très bien son retour. J'espère la recevoir un jour sur le plateau. Bisous à toi, ma belle, en tout cas. Romain, merci beaucoup. Merci à toi. Nous retrouve. Cette fois-ci, tu seras moins stressé. M'espère. M'espère, t'es. Maman, elle connaît quoi? Mais va aller boire un petit peu de sirop et Ina, viens. Allez. Bisous, à demain. Et oublie pas aussi la fête des mamans dimanche là, hein, donc oublie pas. Hein. Oui, oui, ça faut pas oublier. Non, ça. Dis pas oui, oui. Il surtout mon gars, je m'oublie de mon moment là. Ah, il oublie pas ça. On n'a pas intérêt. Allez, on se retrouve, à demain. Bye bye tout le monde.